Et ensuite, il a dit que d'après lui, j'étais la meilleure, la plus efficace, la plus à même de l'aider. Oh, j'arrête, je me sens ridicule, rien que de le répéter. Pourquoi est-ce que ça te surprend? Il a entièrement raison, et tu le sais. Mais tu ne crois pas qu'il manque un peu d'objectivité? Non, pourquoi? C'est bien toi, ça. Écoute, ton père n'a pas l'habitude de faire du sentiment en affaires. Je le vois mal confier son entreprise à quelqu'un d'incapable, même si ce quelqu'un est sa fille. Il ne prend que des gens compétents dans son équipe, vrai ou faux? C'est vrai. Maintenant, je me sens vraiment indispensable. Je t'ai toujours dit que tu étais indispensable. Oh, ne te fiche pas de moi, sois sérieux. C'est difficile d'être sérieux avec toi. En tout cas, j'ai accepté. Eh bien, c'est bien. Ouais. Félicitations, je suis content pour toi, c'est fantastique, oui. C'est vrai que c'était tentant, ça va être un sacré défi à relever. Je vais avoir de grosses responsabilités, j'aurai pratiquement carte blanche pour tout. C'est génial, mais est-ce que je peux te demander quelque chose? Ah oui, vas-y. Pourquoi es-tu si radieuse? Pourquoi? Mais parce que je vais avoir un travail passionnant. Ah. Mais je me demande s'il n'y a pas autre chose. Je te trouve différente. Mais c'est peut-être, comment dire, l'éclat du succès. Pas seulement, c'est autre chose. Oh, alors, disons le fait de me sentir indispensable et irremplaçable au sein de la compagnie. Non, alors je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien être d'autre? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a autre chose. Dis-moi quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi tu penses qu'il y a quelque chose d'autre? Idem. Parce que... De quoi? Comme ça. Comme ça. En fait, j'attends toujours ta réponse. Quelle réponse? Pourquoi tu es si différente aujourd'hui? Mais je t'ai déjà dit pourquoi. Je me sens bien. Ouais, mais ce n'est pas la vraie raison, ça. C'est vrai. C'est simple. C'est toi qui me fais cet effet. Mais je ne te crois pas une seconde. Mais c'est une raison qui se défend. Est-ce que je t'ai déjà dit ce que je pensais des pique-niques? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Pour rien. Ça me plaît bien, c'est tout. Oui? Mm-hmm. Oui, je trouve que c'est très... très stimulant et aussi très... très sensuel. Oui, c'est aussi mon avis. Tu avais tout prévu, j'imagine. Non, c'était un à côté. J'ai un faible pour les à côté. Alors, tu veux que je te prévoie un peu plus souvent des petits à côté de ce genre? Oui. Bien, tous les jeudis ou tous les jours? Moi, tous les jours, et peut-être plus, si tu es partante. Embrasse-moi encore. Y a quelqu'un? Ensuite, une seconde. Y a personne? Si, une petite minute, j'arrive. Y a quelqu'un ou y a personne? Bah quoi, y a pas le feu, faut bien que je m'habille. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Salut. Ben voilà, on était en train de... À quoi vous jouez tous les deux? À rien, au déjeuner. Non, au déjeuner. Ah, oui. Ah, très bien. Vous déjeuniez, Oui, et puis on... Et vous avez fermé la porte pour éloigner les fourmis. Hey. Et voilà, t'as tout compris, c'est à cause des fourmis. On a découvert une nouvelle espèce très vorace. Il paraît que ces bêtes-là ouvrent. Ah oui, une nouvelle espèce très virulente. Alors si on veut être tranquille, on est obligé de se barricader à double tour. Enfin, tu as trouvé du nouveau dans le hangar? Non, toujours rien. On va avoir du mal à mettre la main sur quelque chose. Tout a dû être pulvérisé par l'explosion. Tu voulais parler, chérie? Non. Je replongerai encore une fois cet après-midi. Désolé de te laisser tout le sale boulot, mais je ne pourrais pas prendre le relais aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai d'autres recherches à effectuer, je pense que... Bon, ça va bien me prendre toute la journée. Très bien. Wilson Harlin. Porté disparu le 7 avril 86 dans l'après-midi. Wilson. Harvin. Harvin.
Original comme nom. Le 7 avril, hein. Décédé, décès constaté le 7 mars 1987, une balle en pleine tête. Tu peux effacer celui-là. Est-ce que tu sais depuis quand on est là-dessus? Un peu de courage, j'ai encore tôt, on peut aller au bout de la page, non? Hein? Tu veux faire une petite pause, peut-être? Oui, ce serait pas du luxe. J'ai les yeux qui se brouillent à force d'éplucher ces relevés d'ordinateur. C'est crevant. On y va, la pause est terminée. Comment la pause est terminée? Tu crois que j'ai eu le temps de me reposer en 2 secondes? Je voudrais qu'on aille jusqu'à juillet, d'accord? Comme ça, on aura déjà la moitié d'une année de fête. C'est ça, oui. On va éplucher encore tout ça. L'ennui, c'est qu'on n'est pas sûr que l'homme dont on a trouvé les restes a bien son nom dans ce fichier. Cruz, il faut continuer, c'est notre seule piste. Eden. Eden. Quoi? Pourquoi est-ce que tu es là? Tu as besoin d'un coup de main pour établir une liste à peu près complète des gens que personne n'a retrouvés. Non. Pourquoi est-ce que tu es venu me voir ici? Tu as passé toute la journée accroché à mes basques comme un toutou en mal d'affection qui va attendre son maître à la sortie de l'école. Qu'est-ce que tu as? Un toutou, moi. J'ai bien entendu. Et c'est toi le maître. Ah, eh? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu es bizarre, tu me fais penser à un chat qui aurait gobé le canari de la maison. Mais c'est une vraie ménagerie, le chat, le chien et même le canari. Eden, je te parle sérieusement. Mmh. Bon, d'accord. Si tu veux le savoir, je voulais... Je crois que j'ai de nouveau, ça y est. Ah, mais j'arrive peut-être à un mauvais moment. Non. Enfin, c'est peut-être une fausse piste, mais il faut voir. Voir quoi? J'ai découvert un décès. Ces bracelets qu'on te refile dans les hôpitaux quand tu dois suivre un... Ah, zut, attends, je vais le retrouver. On te file ça quand tu dois suivre un traitement spécial, tu sais. Un nom dessus? Oui, il y en a un, ça ne me disait rien du tout, mais... Mais regarde quand même. C'est comme ça que vous prenez soin de vos indices? Oui, c'est comme ça. C'est pas vrai. Vous le connaissiez?